La liberté ne se conquiert jamais au détriment de celle des autres. Être libre, c'est dominer. Et sur les toits, la 3F, la French Free Run Family, domine Paris. Vue imprenable de leur promenade quotidienne, on les appelle les traceurs. Le free run, en fait, c'est dans un concept de déplacement, c'est nos limites. Il n'y a pas de règles, c'est juste le déplacement, le franchissement, sans règles, sans limites. Point A, point B. On y va, on fait ce qu'on veut. L'art de se mouvoir dans l'espace. Vu de l'extérieur, le danger semble omniprésent, mais pour eux, tout est contrôlé. Il y a à la fois de l'instinct et de la maîtrise. Le parcours est né dans les années 90 avec les Yamakasi. L'objectif était d'aller le plus vite possible, de trouver le trajet le plus efficace. Aujourd'hui, le freerun reprend le même principe en enlevant toute forme de restriction. La pratique est devenue plus artistique. Mais derrière ces belles images, il y a des années de travail et d'appréhension de la peur. Le danger, la peur, c'est pas quelque chose qu'on enlève. Il faut surtout pas l'enlever, il faut apprendre à la contrôler. Il y a beaucoup de gens qui me demandent « t'as pas peur ?» Je dirais « si, j'ai peur, bien sûr, mais je la contrôle. C'est plus devenu mon ennemi, c'est devenu mon ami maintenant. » Ça nous arrive de faire beaucoup, de dormir très mal la nuit, en fait. Parce qu'on a toutes ces peurs qui reviennent la nuit. Donc, on a ce petit côté dark, un petit peu chez tous les athlètes, dans les sports extrêmes, qui revient comme ça. Mais moi, je comprends pas, c'est comment ça se fait que tu habites à Paris et que tu arrives toujours au dernier. C'est parce qu'il se dit qu'il a pas besoin de se lever loin pour... C'est toujours ceux qui sont à côté qui sont en retard. Ouais. Ouais, plus qu'un sport, le freerun est un style de vie pour les membres de la French Freerun Family. Ils se retrouvent fréquemment pour des entraînements ou des périples sur les toits parisiens. Là, ils peuvent échanger et aussi profiter du spectacle. La vue est belle. Magnifique. J'adore ici. Toujours super sympathique. T'as pas peur, là ? Non, pourquoi ? Pourquoi j'aurais peur ? Je compte pas me lâcher, en fait. Les mains, elles tiennent, il y a tout qui tient. C'est de l'herbe puis... en bas. Ouais, puis c'est de l'herbe en bas. Non, mais puis si je tiens comme ça à 1 mètre du sol, pourquoi je tiendrais pas à 10 mètres du sol ? En l'occurrence, 50 mètres. Ouais. Mais dans ma tête, c'est 1 mètre, en fait, du sol. Du moment que j'ai la puissance pour remonter, tout va bien. Lors du tournage, on a souvent eu peur pour eux. Mais ils donnent également l'impression d'une maîtrise totale. L'erreur est interdite, évidemment, mais ni les murs, ni le vide ne les arrêtent. Ils sont tout simplement heureux, tout là-haut. Je vais mettre mon corps dans un espace différent et je suis attentif aux réflexions de mon corps en fonction de l'espace dans lequel il se trouve. Et du coup, l'aboutissement, il est plus là, il est dans la réflexion. Mais il n'est pas en soi dans le toit, oula, je suis en train de franchir une limite, oula, je suis dans l'illégalité, je me sens rien. Non, c'est pas trop mon délire. La nouvelle génération doit travailler pour pouvoir un jour s'exprimer avec autant de facilité. On retrouve Simon en Belgique dans une salle dédiée au parcours. Ici, ils prennent tous les risques puisque cette fois-ci, ils peuvent échouer avec des matelas en sécurité. En France, il n'existe pas d'endroit comme celui-ci où les freerunners peuvent travailler leur science du franchissement, leur art du déplacement. Pas bête, mec. T'as déjà pensé à mettre ton talon au moment où tu pars? Comment? Et tu fais le même mouvement, mais tu mets ton talon et après tu shootes avec ton talon. Tu mets ta main à ton talon? Ouais. Non. Ça t'intéresse? Moi, je suis chaud, par contre, j'ai peur de rater là. Tu veux pas mettre un... Vas-y, je prends un mousse. Ouais, c'est bien. Comme ça, si jamais ta tête, elle claque. Vas-y, c'est parti. On essaye. Faut pas réfléchir. Un, deux... Ok, sa mère. C'est bon. Ici, dans cet entrepôt, les jeunes peuvent donc apprendre les bases et découvrir une nouvelle manière de bouger. Regardez bien. Je suis comme ça. Et pas comme ça. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons. Déjà, c'est... tu te relèves beaucoup plus vite comme ça, que comme ça.
t'es plus bloqué. Et comme ça, ça peut arriver que tu te fasses mal sur les talons. À la fin de la roulade sur les tons, tu vas arriver et... Pah ! Simon Noguera et Johan Leroux sont professionnels du parcours et du freerun. Ils gagnent leur vie en prenant des risques. Reproduire ce qu'ils font est impossible sans un maximum d'entraînement et d'expérience. Aujourd'hui, la 3F est demandée dans le monde entier pour tourner des films commerciaux, à l'image de ce clip pour le jeu vidéo Assassin's Creed. Plus de 20 millions de vues sur YouTube, preuve que le freerun séduit un large public sur Internet grâce à des images toujours aussi impressionnantes. Pour communiquer sur ces acrobates, il faut produire des images et forcément être capable de les suivre dans des endroits difficilement accessibles. Je vais essayer de le refaire, mais est-ce que tu peux plus regrouper tes pieds ? Bon, bah, plus on est visible, plus on a un travail. Donc nous, on surfe beaucoup sur la vague de la viralité. Facebook, réseaux sociaux, tout ça, Twitter, Facebook, YouTube. On met un max de doc dessus, images, vidéos, montage. Et comme ça, plus on est visible, plus on est vu. Cette discipline connaît donc un incroyable renouveau grâce aux vidéos postées sur le net. Et pas uniquement sur des toits. Le mobilier urbain est exploité à son paroxysme. Un simple pont devient pour eux un terrain de jeu idéal. Paris offre un décor splendide au sommet d'un immeuble de 20 étages. Par définition, le freerun se pratique sans filet. Pas d'autorisation, pas d'équipement de sécurité. Il flirte souvent avec le hors-la-loi. Mais un traceur est un homme qui conduit son corps là où un jour, son regard s'est porté. Son territoire de jeu est donc sans limite. Évidemment, on n'essaye pas ça à la maison.